Avec PlanteNet, j'ai voulu identifier cette fleur. Ouais, parce que je suis pas super bon en fleurs, moi. Alors, j'ai trouvé plusieurs choses. Bref, ça va du lys tigré au lys safran, je sais pas quoi, à l'émile en latin, tu vois. Bref, alors c'est pour ça que j'aime beaucoup, même si c'est important de nommer les choses, bien sûr, puisque nous sommes des êtres de communication et que nous avons donc besoin de concepts, de mots, de pensées. Mais dans ma solitude, il me suffit amplement de voir les choses directement, c'est-à-dire à travers ce mental conventionnel qui s'évertue à donner des noms à toutes choses, hein, comme dans la Genèse, Adam et Ève, tout ça. Donc Adam et Ève, pour moi, sont des parties de notre cerveau. Bref, c'est une autre histoire. Donc voilà, bon, pour moi c'est clair que c'est une sorte de lys, ça me va bien. Lys tigré, bon, pourquoi pas, lys safran, vu sa couleur, ça va bien aussi. Bon bref, c'est un lys quoi. Et je vais en rester là. Moi ce qui m'importe c'est sa beauté.